Dans ce bulletin, des allégations de violation et de violation des droits de l'homme ont été répertoriées comme suit. Au moins 20 personnes tuées, dont 6 cadavres retrouvés, une personne enlevée et 10 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi ces victimes figurent 2 femmes et un nouveau-né tué. Parmi les présumés auteurs identifiés figurent des policiers, des aumôniers accoulés et des administratifs. Ce bulletin revient aussi sur des droits économiques, sociaux et culturels et des faits sécuritaires et a causé des morts et des blessés. La Ligue TK s'insurge contre l'impunité des crimes observés et demande à l'État de poursuivre en justice tous les présumés auteurs sans parti pris.